comme toute chose, il y a des inconvénients. C'est de, mettons, il y en a qui se font agresser. Il y a des agressions. Deux bouteilles de gaz, 13 kilos avec un verseur automatique pour ne pas tomber en panne. Mettez des antivols, mettez des antivols. Ils viennent les voler chez vous. Ducato, 120 chevaux. Et il est un petit peu vieux, il est de 2010. Mais voilà, moi c'est mon bébé, je l'entretiens. Je l'ai acheté juste avant le Covid. Parce que maintenant, je pense que je ne pourrais plus l'avoir au prix où je l'ai eu. Et voilà, je pense que j'ai fait une superbe affaire. J'ai monté pas mal de petits trucs qu'il n'y avait pas dessus. Et voilà, là, je l'ai mis à mes besoins. Et voilà. Et je m'en sers le plus souvent possible. Hein, voilà. Donc, il a 15 ans. Il a 15 ans. Il est de 2010 et il a 100 000 km. Il a très peu roulé pour l'âge qu'il a. Et tu l'as acheté juste avant le Covid? Juste avant le Covid. J'ai été la chercher sur Rennes et je n'ai pas pu l'avoir parce qu'il y avait les interdictions de circuler. Et donc, dès que j'ai eu un créneau, je suis monté le récupérer à Rennes. D'accord. Donc, toi, tu l'as acheté, il avait 10 ans, on va dire. Voilà, voilà. Il avait combien de kilomètres? Il avait 90 000. Je l'ai acheté dans un concessionnaire. Ils m'ont fait la distribution, révision totale. Et je suis reparti nickel. Voilà. Alors, depuis... attends, je vais essayer de deviner le prix que tu l'as payé. Dis-moi rien, premier les amis, je ne savais pas. Celui-ci là, comme ça, c'est un, combien de places couchage assis, l'accouchage? Couchage, c'est un 2 places, 3 places quoi, on va dire. 3 places, d'accord. Allez, tu l'as payé, il avait 90 000 km, 10 ans. Allez, tu l'as payé allez, 35-40 000 euros? 32, voilà. Bon, ça va, j'étais pas très loin. Bon, ça va. Ouais, correct. Pour un concessionnaire, bon, ouais. Voilà, mais maintenant, je pense que... on les a plus à ces prix-là, quoi. Hein. D'accord. On les a plus à ces prix-là, voilà. Alors, j'ai la télé dessus avec satellite, il y a la douche, chauffage, bien sûr, énormément de rangements, 2 bouteilles de gaz, hein. Je suis sur Truma au niveau chauffage, chauffe-eau, voilà. Et voilà, je suis en autonomie, je peux rester en autonomie totale tant que j'ai l'envie. À part le souci de l'eau, alors j'ai une réserve d'eau de 100 litres avec réservoir d'origine, mais j'ai toujours... 2 jerrycans en permanence avec robinet, et éventuellement, si je m'aperçois que j'ai fini ma réserve, je peux faire un complément avec mes 2 jerrycans qui me permettent de trouver une bouche de, pour ne serait-ce que vider les eaux usées, les eaux sales, et refaire un plein d'eau, quoi. Voilà. C'est ton premier? Non, j'en avais construit un, et je l'avais fait moi, c'était un Vivaro, il avait toutes les options de celui-là, télé, frigo, siège tournant, panneau solaire, batterie auxiliaire gel. Il avait toutes les options, seulement on ne pouvait pas se tenir debout. Alors il y avait tout le temps à modifier, à ménager le lit, tout ça. Et j'en avais eu un petit peu marre. Alors que j'ai eu un peu marre. J'ai dit maintenant j'ai envie d'être debout. Et comme j'ai une petite fille que je prends souvent avec moi, donc j'ai fait en sorte de prendre un peu plus grand et un peu plus confortable. Voilà. Donc si tu as une petite fille, ça veut dire que tu es presque à la retraite? Et je suis à la retraite. Tu es à la retraite. Non, mais attends, tu fais mon âge, 40, 45 ans. Ouais, ben, tu as l'âge de 20 de plus. Non, là je déconne. 65. Là. Non, là, je rigolais quand même. Je rigolais. Ouais, je doute bien. 65 ans. Ah. Je devine, qu'est-ce que tu faisais à la retraite? Un métier. Attends, je vais deviner. Vas-y. C'est facile? Ouais, je pense, mais peut-être que tu le comprends. Ouais, toi, t'étais routier, toi. Exact. C'est vrai? Ouais, je te jure, à mon compte. Je suis pas mauvais. Ah, très bon, même. D'accord, tu étais routier à ton compte. À mon compte. Comment que ça fonctionne, ça, d'être routier à son compte? Eh ben, tu as une semi-remorque ou tu as un camion et tu passes des contrats avec diverses sociétés. Notamment, moi, je travaillais beaucoup avec les pneumatiques, Continental, Pirelli, Michelin, avec tout ce qui est savonnerie de savon de Marseille. J'étais leur transporteur régional et je remplissais, j'allais livrer des entrepôts. J'amenais du matériel et je prenais du matériel fini et je livrais. Tu travailles pour quelle marque de pneus? J'ai travaillé pour Pirelli, Continental. Et Michelin? Michelin, j'ai fait un peu de rotation aussi pour Michelin, mais surtout pour Continental et les sous-marques. Hein, parce que, alors, quelle est la meilleure marque en pneus pour toi? Pour moi, ça sera Continental, Michelin. Continental, ils écutent toutes les Allemandes en sortie d'usine. Michelin, ils font les Français. Après, bon, moi, je suis plus Continental. Après, c'est une affaire de choix. Hein. Et comme tu étais entrepreneur, tu as quand même une bonne retraite, ça va, tu t'en sors? Ben, on se l'a fait, hein. C'est comme tous les artisans, les indépendants, hein. On se fait sa retraite en investissant, en prenant des... Comment tu as investi toi justement? Ben, j'ai investi sur des parkings, j'avais acheté des parkings sur Marseille. Des parkings? Ah ouais, j'ai acheté des parkings, donc j'ai investi, que j'ai revendu après à la suite. Pourquoi tu les as revendus? Parce que ça m'a donné trop de travail, j'avais plus envie de me casser la tête. Mais des parkings, il n'y a rien à faire, on pourrait dire. Ah, c'est ce qu'on croit.
Chez nous, là-bas, il y a c'est constamment des mauvais payeurs. S'ils perçoivent la somme, il faut toujours les relancer, y aller. Les gens, ils laissent les portes ouvertes. Les gens, n'importe qui peut rentrer dedans. C'est quoi, des garages que tu avais? Des garages, un parking avec des dedans, plein de 43 boxes. Et j'ai tout vendu, voilà. Ah, et maintenant, je profite de ma retraite avec ma femme qui est en retraite aussi. La plus belle expérience, c'est avec le premier que j'ai construit moi-même. Je suis parti donc avec un autre ami qui était capicariste, et elle avait le même modèle que celui-là, mais donc il était plus grand que le mien, puisque moi c'était sur la base d'un Vivaro qui est l'équivalent d'un Trafic. Nous sommes partis, nous avons fait tout le nord de l'Italie, les Dolomites, tout ça, et après on a piqué par le Tyrol et on a fait toute l'Autriche. Alors voilà, ça a été pendant un mois, ça a été fantastique. D'accord. Voilà, et ta pire expérience, tu m'avais parlé de sanglier. Sanglier, ouais, ça c'est un Corse. Hein. En Corse, comme tous les gens le savent, en Corse, il faut savoir où se garer, parce que si vous laissez la porte ouverte, vous risquez d'avoir des visites à l'intérieur des camions. Donc tu m'as dit qu'il y avait un sanglier qui était rentré dans ton véhicule, qui avait démarré, qui était parti avec le véhicule. Ben voilà, ouais, presque. Seulement, il n'avait pas le permis d'arriver pour pédale. Non, non, mais il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi, je veux dire. En Corse, c'est tout le monde, les gens... Voilà, ta pire expérience. Ouais, ben ma pire expérience, c'est bon, c'est des... Toujours pareil, c'est la réglementation que les gens n'acceptent pas, qu'on s'arrête là parce que, soi-disant qu'on est des pollueurs, il faut aller dans des campings alors qu'on dérange personne, quoi, je veux dire, hein. Tu vas faire attention, les gens en principe qui ont des camping-cars, c'est des gens qui respectent la nature, hein. Ils vivent dans la nature, ils respectent. Alors peut-être que les gens, ils ont eu raison parce qu'ils ont eu des expériences avec d'autres qui ont fait des saletés, mais voilà, c'est de tout le temps... On est au lit, on nous réveille, il faut que vous partiez, la police en Autriche, des menaces, quoi, partez. On est en Italie, le mec il est resté à côté de nous, des espérances à côté des Dolomites, là-bas, il partait pas tant qu'on est parti, il nous a amené jusqu'aux portes d'un camping, presque nous menaçait, voilà, des trucs comme ça, c'est la réglementation qu'il faut respecter, et que on n'est pas forcément obligé, on n'aimerait pas trop le faire en camping-car, quoi, hein. En 10 ans, tu as vu des choses changer au niveau réglementation et se garer? Ah ouais. Bon, déjà, avant j'avais un plus petit, donc l'équivalent d'un Trafic, notamment vers chez nous, on a les gorges du Verdon, il y avait des barres anti pour éviter d'aller au bord de l'eau, pour ne pas passer en dessous, elles étaient à 2,5 m, 2,10 m, et comme maintenant les trafics, il y a beaucoup de gens qui roulent en camion aménagé, ils ont descendu les barres en dessous de 2 mètres. Alors que même ce ne serait-ce qu'on a un trafic, on a un store, on arrive à 2,5 m, 2,7 m, on ne peut plus passer. Donc on est obligé de... On ne peut plus s'approcher, partout c'est fermé, la réglementation, vous allez à l'endroit, il faut aller dans les campings, il faut aller dans les aires de camping-car, et il faut toujours payer, quoi. Hein. Toi, tu aimes le sauvage? Ben, j'ai acheté un camion où j'ai de l'autonomie, hein, donc le sauvage, quand je peux le faire, je le fais volontiers, parce que c'est agréable, on s'arrête où on veut, on trouve un endroit paradisiaque, on s'y arrête, on y reste autant qu'on peut. Hein. Je suis plus pour la liberté de circuler, de faire ce qu'on veut avec un camping-car. Hein. D'accord. Tu nous le fais visiter? Allez, bon, ben, il est vieux. Hein. Bon, il n'est pas si vieux que ça. Ce machin, il y en a des très très vieux. Là, vous avez la soute. La soute où c'est que je range mes tables, les chaises. Là, j'ai deux bouteilles de gaz, 13 kg avec un verseur automatique pour ne pas tomber en panne. Voilà, et ça se régule tout seul. Ça, c'est moi qui l'ai installé. J'ai installé le porte-vélo qui n'y était pas, enfin, je l'ai acheté. J'ai installé un store qui n'y était pas. Enfin, c'est un porte-vélo pour vélo électrique ou vélo normal? Ben, il peut porter jusqu'à 30 kg. Alors, selon les vélos électriques que tu mets, si tu mets des vélos de course, de route électrique, c'est-à-dire de vélo pour la route, il faut à peu près dans les 15 kg, tu peux les mettre. Quoi. Après, un VTT, tu ne peux pas le mettre. Voilà, comment voilà, hein, il est beau. Hein. Vas-y, les deux sièges se tournent, bien sûr. Ouais. La table est amovible comme tout style de ces camping-cars. Tu as une autre table qui est ici, tu vois, pour dehors. Là, tu as partout du rangement. Là, j'ai la télé avec la parabole, la satellite dessus. La spécialité que j'ai dans le mien, normalement dans la salle de bain, vas-y rentre, dans la salle de bain, tu as un petit lavabo, moi je l'ai enlevé parce qu'on avait, ça prenait une place énorme, et en fin de compte je me lavais les dents à la cuisine, donc je ne l'utilisais pas, j'ai tout cassé, et j'en ai fait carrément une cabine douche, d'où une personne plus imposante peut prendre la douche sans souci, voilà, puis là j'ai le couchage, puis voilà. D'accord, si je te demande là de me faire un couscous.
Eh ben moi, déjà, je ne sais pas cuisiner. Après, il faut avoir les ingrédients, mais je pense qu'on peut. Il y a deux gaz. Il suffit d'avoir le matériel et les ingrédients qu'on fait. Et je pense que ma femme pourrait faire un couscous. D'accord. Et au niveau de l'eau, tu as un réservoir de combien? Alors, j'ai un réservoir, une réserve de 100 litres. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai deux bidons. Que si éventuellement je suis en autonomie depuis plusieurs jours et que je m'aperçois, parce que là j'ai tout le tableau de contrôle de l'eau, de l'électricité, tu vois. Là par exemple c'est l'électricité, là ça me dit les charges des batteries auxiliaires, là c'est la pompe à eau, ça c'est l'eau, tu vois, les niveaux d'eau, voilà. Et donc quand je suis, si je viens qu'à être en pénurie d'eau, j'ai toujours deux jerrycans complémentaires derrière où je peux éventuellement remplir ma cuve principale et après me déplacer et aller trouver... comme beaucoup de camping-caristes font, dans un cimetière, se brancher pour opérer de l'eau, ou alors dans des stations de camping-car où on peut vider les eaux usées, et voilà. D'accord. Voilà. C'est quoi les avantages de la van life? Moi, c'est la liberté, hein. La liberté de se déplacer, de ne pas avoir de contraintes ou de réservations. Je pars avec ma femme, on dit, par exemple, on va direction, supposition, la Dordogne. On va en Dordogne, mais je ne prends pas l'autoroute pour y aller. Je prends jamais l'autoroute. L'Autriche et le nord de l'Italie, j'ai fait 7000 km en un mois. Je n'ai pas pris une seule fois un kilomètre d'autoroute. Donc, c'est la liberté. Tu te promènes, tu as une carte. Qu'est-ce qu'il y a à voir? On s'arrête. Oh, c'est beau. Ben, on reste un jour de plus. On tire le frein à main. On sort l'eau au vent. On met le tapis. On met les chaises longues. On reste là, on visite. Si on a les vélos, on va faire un petit tour de vélo. C'est la liberté de se déplacer et la rencontre des gens, parce qu'on rencontre des camping-caristes et ça se passe toujours très bien. Hein. C'est des gens qui aiment la nature et qui vivent pour la liberté. Hein. Voilà, c'est bien. Il y a des inconvénients? Ben, comme partout, hein, comme toute chose, il y a des inconvénients. Mettons, il y en a qui se font agresser. Il y a des agressions, comme partout. Les inconvénients, c'est de tout ça, des agressions, tu veux dire? Ben, c'est beaucoup sur des aires d'autoroute, les gars qui se font. Une petite pause dans la vidéo, les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là dans la vidéo. Montrez-le-moi, marquez-moi en commentaire. Yannick, le vrai Marseillais. Voilà, marquez-moi. On verra tous ceux qui sont là encore dans la vidéo. Marquez-moi en commentaire. Yannick, le vrai Marseillais. Ils se font endormir. Beaucoup d'étrangers, ça arrive, ça. On envoie du gaz, ils s'endorment. Les gens, ils ouvrent les camions, ils volent tout ce qu'ils ont dedans. Et s'ils ont de l'espèce, ici et là. Bon, nous, on évite les grandes artères. Donc, on est toujours des petites campagnes, ici et là. Ça peut pas trop, ça, on peut pas dire jamais, mais ça risque moins de nous arriver. Autrement, c'est quoi? Bon, la panne, c'est embêtant. Une panne, il y avait une panne, c'était au fin fond de la pampa. La panne, voilà, quoi, je veux dire, tu n'es pas à l'abri, quoi. Hein. Ou alors, les petites galères, c'est-à-dire dans ce genre de camping-car, par exemple, si tu te retrouves sur un terrain où, après, dans pleine nuit, la terre, elle est trop humble par rapport à l'aspirité du sol et qui est bien imbibé d'eau, pour démarrer, vu le poids du camion, tu n'as aucune motricité arrière. Alors moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est que j'ai toujours les chaînes de neige dans le camion. Que si je me retrouve dans n'importe quelle saison, embourbé dans de la terre, eh ben, je mets les chaînes et je sors. Quoi. Toi qui connais bien, s'il y a des gens qui nous regardent, qui aimeraient acheter un fourgon, un peu comme le tien, fourgon camping-car, un peu comme le tien, mais qui se disent, mince, est-ce que je peux me faire avoir? Comment faut que je l'achète? Faut que je regarde quoi? Les infiltrations? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? S'il y a des gens là, ils sont prêts à l'acheter, ils vont aller sur le bon coin ou même chez un concessionnaire, qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent sur place? Après, dans ce style de camion, au niveau des infiltrations, ça peut venir que des lanterneaux. Après, c'est les autres camions, ceux qui ont les capucines, qui sont beaucoup plus larges. Eux, par contre, quand ils sont construits, c'est des parois qu'on met. Donc, eux, quand tu achètes un camion comme ça, faut qu'il y ait absolument le certificat de contrôle d'étanchéité du véhicule qui soit mise à jour. Les camping-caristes qui ont des cars comme ça, ils sont tenus de le tenir à jour, ça. C'est-à-dire comme c'est des parois. Moi, c'est un camion fait par un équipementier qui s'appelle Adria, mais il est fait sur la base d'un utilitaire quand même. Donc, il ne risque pas de prendre l'eau à part au niveau des lanterneaux. Mais autrement, si les personnes ils ont un petit doute, et financièrement quand même, c'est pas donné. Si tout est cher. C'est comme le bricolage, camping-car, ils en profitent. Tout est très cher. Qu'ils louent, qu'ils essayent. Plus d'une fois, parce que peut-être la première fois, on peut avoir des réticences, des problèmes.
c'est peut-être pas la, cette fois-ci ce sera pas pareil que la seconde. Essayez plusieurs fois, et une fois qu'il se retrouve là, notamment, je devais partir en Dordogne avec un ami à moi, il sait pas quoi faire, il a loué un camping-car, et je n'ai pas pu le suivre parce que j'ai eu un problème familial, et il est parti tout seul, donc, avec un camion de location. Les trois premiers jours, il comptait sur moi pour l'aider, vu que j'avais un peu de l'automatisme. Les trois premiers jours, il a galéré, et après, il m'a dit, Yannick, c'était que du plaisir. Je me suis éclaté. Je vais, et alors, il me fait, si j'arrive à trouver une solution pour pouvoir le garer parce qu'il habite au centre-ville de Marseille, je vais voir ce que je peux faire, quoi. Voilà. D'accord. Et hormis les infiltrations, hormis l'eau, tu as d'autres astuces à regarder quand ils montent dans le fourgon, s'ils veulent en acheter un, qu'est-ce qu'il faut regarder un petit peu pour pas faire trop de bêtises? Déjà, le kilométrage, surtout regarder la courroie de distribution. Comme tout véhicule, hein, c'est des véhicules usables. Hein. Donc, tout ce qui roule, c'est usable. La voiture personnelle, une moto, quoi. Ça s'use en roulant, donc la pneumatique. Bien sûr, la chaîne de distribution, si tu t'achètes un camion qui approche des 100 000, le mec, il te fait la chaîne de distribution et tu t'en sors pour un billet de 500. Hein. Mais voilà, après, autrement, non. Et comment le mec, il est entretenu, tu vois qui tu l'achètes, tu vois s'il a des coups, tu vois ce que je veux dire, la carrosserie extérieure. Mais en principe, c'est quand même des gens qui ont des camions comme ça, vu l'investissement neuf, c'est assez élevé, donc c'est des gens quand même qui sont stables, qui sont posés, c'est des gens qui sont équilibrés, on va dire, ils n'achètent pas ça pour les saccager. Moi, je l'ai acheté d'occasion, mais tu le vois, hein. J'ai acheté l'occasion et j'ai acheté chez un concessionnaire, mais voilà, j'ai pas été surpris, quoi. Voilà. Je l'ai acheté, il avait 100 000, il n'y a que 110 000. J'ai fait que 10 000 km. Mais voilà, je dors avec ma petite fille. J'ai acheté ce genre de matelas, là. Tu vois, ce matelas. C'est à quelle taille, d'ailleurs, le lit? Là, c'est un 140 et 190. Mais tu vois, j'ai acheté ce petit matelas parce que ma femme, elle dort là avec ma petite fille. Et moi, c'est un matelas exprès. Je le mets sur le siège avant. Il s'ouvre comme un livre, tu sais. D'accord. Et il y pose tout le tableau de bord. Ah. Et ça te fait un lit à une place. Et moi, je dors là, ouais, mon Dieu. Tu veux nous montrer? Ça peut donner des idées aux gens. Ah putain, c'est du boulot. Ah non, ça prend combien de temps? Il faut que je sorte de la housse. Ah non, laisse tomber. Que je le déplie, que j'avance les fauteuils. Mais sinon, tu dis, donc du coup, t'as juste à le déplier. Je le prends, tu vois, voilà, il est comme ça, là, tu vois, regarde, voilà. Tu vois, il y a une partie fixe, deux parties amovibles, il s'ouvre comme un livre, tu vois. D'accord. Et ça fait tout le tableau de bord, tout ça? Tu le poses sur tes deux fauteuils de devant, il suit toute la forme du tableau de bord. D'accord. Tu avances il appuie sur les tablettes, là, tu vois. D'accord. Après, tu pousses tes fauteuils, ta table, tu la tires un peu et tu te couches dedans, c'est un lit, une place. Ah, d'accord. Tu vois l'épaisseur du matelas, quand même. D'accord, donc sympa. Ça coûte combien, ça? Ça coûte à peu près dans les 200 euros. Tu l'achètes où? Tu fais de la pub. On s'en fout. Amazon ou des divers équipementiers de camping-car, quoi. Hein. D'accord. C'est sympa, ça me fait... Donc, parce que là, si tu préfères, je peux le démonter, tu vois, je fais glisser, la table, elle se dévisse là, je la descends plus bas, et ça peut me faire, je tourne ce fauteuil, mais ça reste un lit d'enfant, tu vois, je veux dire, ça va jusqu'au tableau de bord, ça fait pas plus, tu vois, une personne peut dormir, mais pas longtemps, en tout cas, Nicolas, je pars avec ma fille, je suis parti un mois avec ma petite fille et ma femme, nickel, quoi. L'électricité, tu fais comment, t'as un panneau solaire? J'ai un panneau solaire de 130, en haut d'origine, j'ai mis deux batteries spéciales éoliennes dedans. Donc, il est chargé par le moteur et par le truc. Il est trimax, c'est-à-dire que je peux le brancher en 220, il est à gaz et en même temps sur batterie. Voilà. D'accord. Donc, en électricité, j'ai l'autonomie totale. Je suis jamais en manque, malgré que j'ai la télé avec le satellite et tout. D'accord. Jamais de problème d'électricité. Ok, merci beaucoup Yannick. Eh bien, avec plaisir, j'espère que je vais donner envie à des gens, hein, que ça va les motiver parce que c'était une très bonne expérience à avoir. Allez, ça voilà. Marche. À très bientôt. C'est super, merci. Salut. Bye. Ouais. Ah, j'ai un truc à leur dire aussi aux gars. Vas-y, dis-leur maintenant. Il y a un truc encore que je conseille. Moi, je m'arrête et je mets la canne parce que dans ce style de camion, comme c'est des camions aménagés, ils sont extrêmement recherchés par certaines personnes. Donc moi, j'ai mis un coupe-circuit et partout où je m'arrête, je mets une canne. Parce que les gens, les volent, ils achètent des utilitaires, ils les volent et ils récupèrent tout l'intérieur. Mettez des antivols. Ils viennent les voler chez vous. Alors, il ne faut pas que ce soit trop tard quand ça vous arrive. Merci.